Pouf YouTube, bonjour à tous, bienvenue. Bah écoutez, je rallume la GoPro les gars, parce que là c'est magique, je sais que ça vous fait rêver. On est avec Romain, ça va Romain? Ouais, je suis obligé, ça va. J'allume la GoPro instantanément. Pour ceux qui se demandent, les panneaux attention avion, c'est vrai, voilà, faut vraiment faire attention. Et donc là on a un avion qui s'est posé. Voilà, qui s'est posé dans la forêt. Voilà un petit peu le délire. Et comme je sais que vous êtes... Oh merde, il y a des gars et tout. Ah, j'avais pas vu, il y a des gars, les mecs, ils sont morts et tout. Merde, attendez, en fait, c'est grave. En fait, c'est grave. Bonjour. Bonjour. Il y a des corps à côté de l'avion, vous avez été appelé? Oui, justement, c'est pour ça qu'on a... Ah, d'accord, parfait. Je peux rester là, ça l'air. Vous voulez qu'on ferme cette route? Ouais, c'est possible, ouais. Ok, pas de soucis. Pas fermer la route. Ouais, enfin, mettre... faire de l'avion, mais pour l'instant, nous, on a juste besoin d'une route bloquée. Ok, pas de soucis, on va le faire. Dire l'écoute. C'est à vous. Pas de soucis. Oui, bonjour, c'est pour vous informer qu'il y a une personne qui a roulé comme un sagouin à l'entrée du port CSP. Il y a pas mal de murs cassés. Ok, c'est reçu. Vous avez qu'à mettre une icône dire, s'il vous plaît, au niveau des murs cassés. D'accord. Bon, bah, je vous remercie bien. Pas de soucis, bonne journée. Oh là là les gars, incroyable, unbelievable. On va se mettre 118.1 aussi, comme ça on va faire passer les messages. 118.1. Qui c'est qui est dispo? Dire 1 pour centrale. Transmettre. Vous partez au niveau du QGCSP, il y a des murs de détruits, c'est reçu? C'est reçu, je me rends sur place. Parfait, merci. Attendez, on va faire ça. MDR, quoi. Quel travail. Mais quel... les boss, mesdames et messieurs. Les boss. J'ai brûlé ma maison, j'ai des araignées chez moi. Vas-y, tu gères le balisage, je continue de gérer la radio, ça marche. Vas-y, je balise. J'ai envoyé où il y avait besoin. On va mettre un petit panneau danger un petit peu plus loin. Bon, en gros, je pense que j'ai trouvé mon nouveau métier préféré. Moi qui adore voir les accidents. Je dois avouer qu'il y a toujours un truc ici, c'est vraiment incroyable. Il y a toujours quelque chose qui brûle, qui explose et tout, c'est fou. Donc là, on a un atterrissage qui s'est un peu passé à l'arrache. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'un petit coup de main pour sécuriser l'accident? Notre côté, non, à voir avec les pompiers. Okay, ça va. On est en train de faire le balisage, merci. Ok, c'est ça a changé Air France. Hein. Non. Ouais. Pour ceux qui partent en vacances, faites gaffe les gars, choisissez pas Air France. Hein. Yo Bob, bienvenue, merci à toi Bob, ça fait plaisir. 14e mois d'abonnement, welcome. Twitch, pouce bleu pour les pilotes d'avion. Parce que là, on a vraiment affaire à des professionnels du game. Donc là, on a balisé. Pichu Pichu, on a un VSAV, on a le véhicule à l'aéroport. C'est vrai que vous ne le voyez pas souvent, celui-là. Regardez comme il est joli. Petit véhicule pour faire fuir les avions. Follow me. Avec un petit covering des familles. Ah, regardez, on va voir les flics. Petit camion CRS. Et là, El Famoso. Véhicule de la honte. Poste de commandement, c'est vrai qu'il fait peur un peu quoi. Oui. On a une victime sous les arbres, dans les buissons et... Vous voulez qu'on sorte la tronçonneuse? Pardon? Vous voulez qu'on sorte la tronçonneuse? Que vous essayez de remettre l'arbre droit, enfin le... Ok, pas de soucis, on va prendre des câbles, on va le tirer. Ouais. Pas de soucis, monsieur. On va faire ça. Ouais, est-ce qu'on est des professionnels du game, hein? Ah, c'est vrai, c'est l'avion de Skyrix. Il est où, mon collègue, là? Attends, on l'a paumé? Ah, il est là. Attends, j'ai besoin de toi! Romain! J'ai besoin de toi, faut que tu m'aides. Ouais, pas de soucis, tu... Vas-y, viens, faut qu'on relève un arbre. Faut que tu m'aides à le porter. On va pas le faire tout seul, hein. C'est pas... Celui-là que vous voulez qu'on relève? Ouais. C'est lui? Ouais, celui-là? Ouais.
Ok, tu te mets devant. En fait, c'est l'autre arbre. C'est l'autre. Ah, c'est l'autre arbre. C'est oui, lui. Celui-ci. Ah, c'est bien. Il est plus gros, ça sera plus facile. On a meilleur maintien. Tu te mets là, tu tiens. On va le relever. On va le relever comme ça, d'accord. Donc tu surtout fais attention à ton dos. Hein. Donc tu baisses les jambes. Tu forces pas avec ton dos. Position un petit peu squat. Tu prends la branche dans tes mains. Et tu relèves. Après, tu passes au-dessus de la tête et tu reviens vers moi et on relève l'arme, ok? Vas-y, commence à... Échauffe-toi vite fait, on va y aller. On va se faire des petits mouvements pour s'échauffer, mesdames et messieurs. Allez, on va se faire un petit squat. Voilà, on va s'échauffer doucement. Donc là, les gars, on va relever l'arbre. On s'échauffe les poignets, la nuque. Voilà. Prêt ? T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Ok, vas-y, va te mettre en position. Allez, c'est parti. Vas-y, tire! Relève! Relève, relève! 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 Allez, lève! Ah! T'es costaud, hein? Ouais, attends, je vais m'allonger. Je vais. Oh, attends, je crois que je me suis peut-être un petit peu tourné le truc. Ah bah, merci à vous. Pas mal. Eh, il était costaud à faire, lui, hein? Ah, ouais. Là, il était. Oh ah, il était analyse de rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. Il était violent lui, mesdames et messieurs. Allez. Là, il était pas mal. La force, mesdames et messieurs. Écartez-vous. C'est appuyez sur le bout. Bel arbre, hein. Bel arbre. Monsieur. Alors, impressionné ou pas, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes impressionné? Il faut se réveiller, monsieur. Êtes-vous impressionné, mesdames et messieurs, par le niveau de puissance là? Ah, c'est que de la puissance. Pour ceux qui se demandent, c'est les jambes, tout part des cuisses. Vraiment, c'est les cuisses, tout part des cuisses. Et une fois qu'on a réussi à glisser les doigts en dessous du tronc. Après, c'est facile. Mais vraiment, tout part des cuisses. Voilà, après, c'est peut-être votre condition physique qui est à revoir. Dans ce cas-là, voilà, reprenez le sport, les mecs. Mais vraiment, tout part des cuisses. C'est l'appui bien sur les cuisses. Et on relève. Voilà. Voilà, voilà. Après, c'est vrai qu'il fait un bon 50 mètres de haut. Mais c'est les cuisses. Avant tout, c'est le travail des cuisses. C'est ce qui fait tout. C'est la touche Windows. Non, c'est les cuisses. C'est uniquement les cuisses, mesdames et messieurs. Ah, c'est... Ah, c'est... C'est... Bah, c'est... Pff, c'est la condition physique. Voilà, je sais que certains vont dire oui, et ça va jalouser. C'est normal, c'est normal. Quand on a une condition physique aussi exceptionnelle, c'est normal d'avoir des jaloux, des rageux. Juste... Juste le talent, voilà, c'est, écoutez, c'est le sport, c'est tout, tu vois, c'est... Au bout d'un moment, les gars, faut se remettre en selle, hein. Voilà, voilà. C'est vrai que c'est un bel arbre, quand même, hein. Il est grand, quand même, hein, Pépère, hein. Voilà. On est là. C'est les cuisses Windows. C'est les cuisses Windows. Dire bonjour. Ah, désolé, je me suis couré de radio, désolé. C'est bien ce que je me disais. Bon, ouais. On est bon. Bah ouais, on a plus qu'à attendre. Je pense qu'on va peut-être devoir redresser un autre arbre pour qu'il puisse le bouger. Bah, déjà, ils vont évacuer l'avion parce que je pense qu'on va même devoir fermer la route avec. C'est pas grave. Pour amener l'avion. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave ça. Tant mieux. Je vais peut-être appeler une dire en renfort pour l'autre côté du coup. Ouais, carrément. Tu la claques en face. Ouais, là-bas au fond. Vas-y, vas-y. Comme ça, on pourra bloquer et au moins on aura la route directement pour. Voilà, c'est ça, parce que je pense que c'est... Ah bah non. Ah. Bon bah du coup, puis, tant pis. Bah le RP là.
Voilà, non mais vous avez vu voilà, on avait un truc à faire là. Putain, c'est con, il y avait un truc sympa à faire en plus. Mais là en plus, il y a les agents aéroportuaires et tout, ils auraient pu le mettre sur leur véhicule et tout. Je sais, c'était... tant pis. Bah, du coup, il n'y aura pas d'escorte d'avion, on s'est fait voler notre avion, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Putain, c'est con, il y avait un petit RP cool là. Ah bah là, ouais. Pourquoi on vous l'avait pas laissé, on aurait pu le remorquer? Il était explosé. Ah, ok. Il avait fait boum. Ah, d'accord, il avait fait son temps. Ouais, il a fait son temps et France a pris un sacré coup sur ce coup-là, mais bon. Ok, bon, on comprend du coup. Bah, ça marche. Donc bon. Là, c'est bon, on peut recouper les arbres et tout? Ouais, vous pouvez couper les arbres. Ok, parfait. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bah, tu peux annuler la dire, hein? Ouais, non, bah, je l'ai même pas. Vas-y. Ok, toi, tu fais lui. Bon, tant pis. Ouais, c'est bête parce que si on avait pu, honnêtement, vous alliez avoir un beau... genre de sécu. Un beau petite action, là. Belle petite action. Dire l'écoute. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous auriez une unité de balisage? J'ai eu un petit problème cerveau et j'ai fait un accident sur la deux fois de bois. Ouais, vous pouvez mettre un marqueur dire 2, s'il vous plaît? Ouais, c'est suivi, je vous place ça. Parfait, merci. Centrale pour dire 2. Vas-y, pas de soucis. Transmets. Ouais, tu pars marqueur dire 2 sur un accident de la route, c'est reçu? Ouais, c'est reçu, affirmatif. Merci. Voilà. En fait, dès que les gars vont m'appeler, je vais leur dire mets un marqueur dire 1, dire 2, et j'enverrai directement les mecs dessus, mesdames et messieurs. Donc là, on est Oscar, ceux qui se demandaient. On gère nos unités, là, mesdames et messieurs. C'est la police. Allez, hop. Oh là. Hop. Ah, j'ai plus de place, ça doit être. C'est parce que c'est ces panneaux, ça. C'est moi, il se fait tirer dessus. Oh là. Attention, bavure policière en direct. Regardez, regardez, regardez. En direct, mesdames et messieurs. Mais que fait la police? Qui sont ces hommes censés nous protéger? Regardez, 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 ça braque, ça braque. Hashtag. Hashtag, on vaut mieux que ça. Ça sort, ça sort. Attention, attention, qui sont ces hommes? Sûrement parce qu'ils sont dans une voiture noire. Évidemment. Regardez, regardez la force qui est utilisée pour des touristes. Regardez ça, mesdames et messieurs. Ils savent qu'ils sont filmés. Ils m'ont vu aller à la jumelle, on va se prendre une balle, je pense. Regardez, regardez. Ce déploiement de force est-il nécessaire? Est-il nécessaire d'utiliser autant de force pour de simples touristes? Ah là 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 là, vous avez vu? Eh, attendez, vous avez rien vu encore parce que... Il est où? Regardez! Vous voyez? Eh ouais les gars! Eh ouais! Dans un monde dangereux aujourd'hui, mesdames et messieurs. Dans un monde dangereux. Oh, bon. T'as vu derrière, ils étaient ouais, 8v1 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas du tout, c'était assez rapide. J'ai pas fait gaffe. Attends, je mets des trucs dans le camion parce que là je suis au bout du bout là. Je crois que j'ai trop de plots sur moi, ça on s'en fout. On va partir avant que ça tire partout. T'as ce que je veux dire? Vas-y, j'ai envoyé ta dire 2 en inter pour information. Ouais, il se passe quoi? Accident. Ok. Bon, attends, je désactive les PMV que j'ai. Ah, vas-y, ouais, parfait. Accident de la route. Ah, sur quelle zone? J'ai demandé à la personne de mettre marqueur dire 2 et j'ai envoyé dire 2 sur le marqueur dire 2. Ok, je crois que c'était. Dire 2 s'en est déjà occupé. Ouais, mais... c'est possible. Mais c'est Trifla, je te laisse désactiver le PMV. Tac, et moi je fais ça. Parfait. Nice. Donc comme ça, pour ceux que ça intéresse, vous avez eu le... Sur l'autre version, on a la tablette tactile dans le véhicule que je vous ai présentée hier ou avant-hier quand on avait le gros véhicule. Et là, dans le petit, on a la tablette, mais uniquement pour les PMV. Et pour le moment, c'est toujours comme avant et que la petite roulette, comme ça, vous avez les deux versions en visuel.
Et comme vous pouvez le voir, première intervention, un avion qui s'est un petit peu raté. Autant vous dire qu'hier, hier c'était folklorique. On a eu pas mal de missions explosives, dirais-je. Métier dangereux. En tout cas ici, métier dangereux. Parce que souvent, t'interviens dans des endroits de type accidentogène. Et hier, on a eu plusieurs accidents sur accident, avec notamment des ambulanciers et tout. C'était assez chaud. Et évidemment, on est aussi là pour la réparation du matériel urbain, dégradations, etc. Enfin voilà, on a un petit peu les petits réparateurs, les petites fourmis, mesdames et messieurs, de cet univers. Ouais, c'est ça. Ah, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Donc là, on a un véhicule de sécu qui cartouche au milieu de la route. Appel des dépanneurs. Les collègues en balisage. Et là-bas, il y a... Ouais, j'ai vu là-bas. Vas-y, on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Petite 2x2. On se fait le petit plaisir. On passe sur mon petit pont. Regardez comme c'est beau. Waouh. Et au final, j'ai pas tant galéré que ça, pour information. On avait fait ça... directement en direct et ça m'avait pas pris si longtemps que ça à faire, donc j'étais content. J'avais un peu peur de m'être lancé le défi de trop et au final ça va, c'est Artec. J'ai géré comme un professionnel, mesdames et messieurs. Ouais, me voilà arrivé en dire. Alors c'est vrai, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis en dire et pas en police ou dans d'autres métiers, pur hasard, hier je me suis dit vas-y, on va en dire, je voulais montrer la tablette tactile. Et au final, j'étais en mode, putain, mais c'est vrai que t'as énormément de contenu. Et moi qui aime bien les accidents, qui aime bien baliser, poser des plots, etc. T'as vraiment moyen de te kiffer. Vous voyez, regardez là le panneau. Ça, c'est nous, ça. C'est la DIR qui gère tous les panneaux de circulation, tous les panneaux d'information. Et comme t'as appelé sur quasiment tous les accidents, et moi j'aime bien les accidents. Voilà, bon, c'est une passion comme une autre. Hein. J'aime bien le papier bulle aussi à côté. C'est vrai que je me suis dit, putain, mais c'est trop cool, en fait. Parce qu'en fait, t'as pas à remorquer, t'as pas à aider, t'as pas à soigner, t'arrives, c'est le bordel, ça explose de partout, t'es là, t'es en mode... Allez, c'est parti. Limite, plus c'est grave, mieux c'est. Parce que toi, t'es pas là pour mettre des amandos, t'es juste là pour mettre des plots et faire en sorte qu'il y ait moins d'explosions possibles, donc tu cherches comme on peut faire, etc., donc c'est cool. Et là, il s'est passé quoi, ici? Il nettoie la rue? C'est qui qui est là? C'est de la BTP, ouais. Ah, mais là, il est où, là? Dire pour civil. Essaye de l'appeler à la radio, je crois qu'il a laissé tout son matos. Dire l'écoute. Ah, oui, bonjour, BTP, je suis sur la 2x2 voie entre Lakeside et le rond-point Kenny. Et avec un camion, il y a un sprinter qui est retourné au milieu de la route avec deux roues qui sont cassées. Très bien, c'est reçu. Vous pouvez mettre marqueur dire 1, s'il vous plaît. Ouais, je vous mets ça de suite. Merci. BTP centrale. Dire 1 pour centrale. Transmetteur. C'est qui? C'est dire 1 ou c'est BTP? Ouais, c'est dire 1, ça... Parfait, dire 1, tu peux partir sur le marqueur dire 1, s'il te plaît. T'as un accident sur la 2x2, un camion qui a les roues explosées. Reçu, je me rends sur... Ouais, regarde sur ton GPS, t'as les coordonnées qui arrivent, marqueur dire 1, s'il te plaît. Merci à toi. Et ils se sont fait enlever, les collègues, là? Bah, je sais pas où il est passé. Tu sais quoi, je pense qu'on va le ramener au QG. Hein. Ouais, je sais pas. Camtar ou pas? Ouais, tout est ouvert, on a de la chance. Ouais, parce que c'est vrai que c'est assez dangereux. Attends, les collègues, ouais, ils disparaissent. On va tout ramener, au pire, hein. Limite, le camion là. Attends, mais sinon, on garde tout sur l'air là-bas. Oui, ou au comme pire, ça, on s'embête pas, on le fout là-bas. Vas-y, bah lui. Tu charges ou je charge? Non, juste on avance, on fait circuler, on met. Vas-y, je prends le camion. Toi, tu je prends. Peux charger la truc dessus. Mais non, on les met sur. Peut-être qu'ils vont. J'en sais rien, moi. Attends, bah faut appeler. Attends. Dire 1 pour centrale. Transmetteur. Ouais, à tout hasard, tu sais où est passé BTP? Négatif. Il était normalement sur la 2x2 en train de balayer. C'était il y a combien de temps? Ça fait deux jours. Il y a une dizaine d'années. C'était il y a 10 ans.
Ok, ça marche. D'après toi, parce que là, on est devant son véhicule, il est plus là, c'est quoi, il serait rentré chez lui, tu penses ? Franchement, je pense, ouais. Ok, ça marche, bah on récupère le bébé, merci à toi. Oh là là, les mecs et tout, quoi, ils laissent tout, ils se cassent. Les gars, oh, c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. On va le mettre... On va le sortir, là, sur l'aire de repos, vous savez, je pense qu'on va se faire ça. Il est stylé, ce camion, hein. Voilà, regardez. On va tout sortir... Et on va tout mettre sur l'aire de repos. Limite, on va fermer l'aire de repos. Et on va tout stocker là-bas. Je pense que ça peut être, ça peut être une bonne idée. On va faire ça. Comme ça, si jamais il revient, tu vois. Bah au moins, son matos, c'est toujours sur place. Et au moins, il gêne plus. Quelle histoire. Alors par contre, ça, c'est le type de camion. Faut pas se merder parce que t'as de la distance derrière. Et autant vous dire que... Ouah, je crois que j'ai arraché le rétro là, non ? Non, on va dire non. On va dire que c'est passé. Course poursuite avec la balayeuse, mesdames et messieurs. Allez, tu peux le faire, Romain. Tu peux le faire. Alors, regardez-moi la taille du convoi. Convoi exceptionnel. Qui a été un petit peu oublié, j'ai l'impression. Si vous voyez ce que je veux dire. Yotina, bienvenue, coucou Ray. Tu veux que je te pousse ? À mon avis, ouais, les gars, faudra venir aider là. Attends, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Oh, c'est bien. On est tombé sur quelqu'un d'intelligent. Hop, on va faire ça. On va le charger. Hein, vas-y, charge-le et on va le reculer à fond. On va le foutre ici, on va le laisser là. Métier au risque, ça, les gars. On va le bloquer là, on va le mettre entre des plots ici. Comme ça, si jamais, je sais pas, il est parti en pause. Ou autre. Ah, attends. T'y arrives ? Je veux bien. Ah, ça, j'ai pas fait depuis un moment aussi celui-là. Ah, parfait. Voilà. Vas-y, descends. Ce que je vais faire, je recule le camion, on le fout dans Vas-y. Le coin, on bloque, on balise, et on récupère les plots et on rouvre. Ça va ? Allez. Comme ça, si jamais il revient, tu vois, et il n'est pas en galère. Comme ça, on a fermé qu'une partie. Voilà. Ouf. C'est pas grave, on a des gars de la DIA, on va réparer. Voilà. On va mettre un petit coup de clé. C'est le bruit de la clé, ça, mesdames et messieurs. Bon, ça reste entre nous, évidemment. Oh, putain, j'en étais sûr. Nice. Ouais, parfait. En plus, ouais, personne n'a les clés, on n'a rien. Bah non, c'est grand. On va le laisser ouais. Là. Je vais voir avec les DP, et comme ça, tu sais, ils pourront venir le récupérer sans trop de soucis, sinon. Ouais, bah ouais, carrément. 113, ça leur fera une belle mission. DP pour dire. Vas-y, tu bloques là. Ouais, je suis en train DP pour dire. La survie. La survie. Ça voulait dire pas se faire écraser. Dire pour DP. DP pour dire. Allô les DP. C'est genre pas sérieux ça, hein. Ça va Tina? T'es prête? T'es prête? Et merci Charco, Funny, Killer, bienvenue à vous, merci pour les follow, n'hésitez pas à ça va rejoindre nos clans. Bob c'est le dernier, Twitch, faites exploser les petits pouces bleus, comme vous voyez, dans le RP, y a pas que la police, mesdames et messieurs, y a pas que les pompiers, y a aussi tous les autres petits métiers dispo à Pôle emploi. Et comme vous le savez, sur A4L, c'est vous qui choisissez quel métier vous voulez faire, vous allez à Pôle emploi, et puis écoutez, vous faites kiffer. Ils sont pas là. Dire à l'écoute. On va ranger les plots. Ouais, je dis dire à l'écoute sans savoir si on m'a appelé. En fait, ça me permet de... Comme ça, si jamais quelqu'un a appelé, on est bon, tu vois.
ça. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 19 cônes x 4. Attention, hein. Tu peux ramasser là les plots qui sont là ou pas? Moi j'ai ouais, quasiment. Je fais un peu de place parce que. Ouais, moi aussi. Ça je vais le foutre là. Ça je vais le foutre là. Ok, nice. Vas-y, je vais reculer. On va faire. On va se faire. Non, j'ai ralentir. Vas-y, vas-y, ramasse. Attends, ouais, attends, il faut que je refasse de la place. Vas-y, vas-y. Ouais, DP, je sais pas ce qu'ils foutent. DP, allô. Allô, bonjour. Ah, à la limite, je vais te poser ma... Attends, c'est comme les flics, ils sont jamais là. Coucou, petit homme. Comment ça va, mesdames et messieurs? Pensez qu'on va mourir. Attends, on va aller sur la 113 points, quoi. Allô, les DP. Allô. Bonjour les DP. Ah bonjour. Est-ce qu'à tout hasard vous avez une unité disponible? J'ai raté. Désolé. Ah, toutes vos unités sont en intervention? Bah c'est bon, peut-être que vous m'avez déjà été appelé sur intervention, c'est au niveau de... C'est au niveau de la 2x2, si vous voulez, c'est la dire. On a eu un souci avec un collègue, sa femme est enceinte, il a dû rentrer rapidement chez lui. Et malheureusement, on n'avait pas de personnel adéquat pour rentrer avec son véhicule. Donc en fait, sur la 2x2 secteur Union, vous avez un plateau avec un véhicule de nettoyage. Ce qu'il faudrait, c'est le ramener à la fourrière si jamais vous avez les effectifs. Ouais, c'est après, on va venir le chercher. Nice. DP. Bon, ça marqueur avion. Pourquoi ça marqueur avion? Vous allez être affecté en DIR 3. Qu'est-ce qu'on met plutôt? On va mettre une hache. On va mettre ça, on va mettre DP. Vous les avez vu ces flèches là sur le PMV? Parfait, merci. Waouh! Putain, c'est joli! C'est toi qui as fait c'est ça? Pas dispo. Ouais, ouais. Ah si, c'est très joli. Même c'est plus joli que les petits ronds, je trouve. Bah, en fait, les ronds ça permettait à la fois de mettre un message plus le signal. Ouais, ouais, bien sûr. Ah si, si, et c'est là, très quand, joli. Tu vois. Oh, regarde! Ouais, il y a DIR 2 qui est dessus. Ah ouais! Vas-y, on va aller voir. Mais, flèches. Ouais. Mais genre, danger, ralentir. Hop. Tant quoi que c'est une mission d'urgence. Eh, vous avez vu, c'est passé direct. Ouf. Oh lolo lolo lolo. Oh, bah voilà pourquoi il répondait pas! Explique. Ouais. Je verrai parce que j'ai un doc tout. Tu sais que je suis pompier continental. Oh là là. Transmettez. Oui, quel est votre nom? Oui. Ça arrive. Non mais ça arrive les gars, voilà. Bon, ça arrive souvent à eux, mais ça arrive. Oh là là. Ok, c'est noté. Bon, moi on sait pourquoi ils répondent pas forcément. Putain, faut avoir du courage pour les appeler en fait quand ah t'as un accident. Faut être déterminé. Hein. C'était t'es pas à la brique. Tu t'en sortes pas, tu vois. Attends, je vais prendre un peu à bouffer parce que je suis en difficulté. Voilà, nice. Dur, dur, mesdames et messieurs. Tout le monde est mort, ouais. Je crois que ça a piqué. La dernière fois, on avait tout réparé dans Union. Je crois que là, ça va. C'est pas trop le sbeul. Parce que visuellement, c'est quand même plus joli, tu vois, c'est plus agréable d'être dans une vraie vie où tout n'est pas défoncé. Mais, on va dire, il n'est pas encore trop tard, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tous les panneaux sont explosés, tous les arbres sont couchés, tu te dis, mais attends, c'est KOTH ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'impression qu'il y a un tank qui... Ouais, c'est ça. On s'est fait envahir. C'est Kevin, il a fait un coup d'état. Tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, écoutez... Dire pour dire. Dire l'écoute. Ouais, c'est pour... je suis pas encore service, mais c'est juste pour vous signaler une explosion sur Union. Hein, grosse explosion. Ouais, on a vu si besoin. Si t'es dire, tu peux utiliser la 118.1. On est également dessus en double écoute. Yep, mais je suis pas dessus. Je suis pas en service, là. Je suis en route. Ah. J'ai juste vu l'explosion. Ok, ça marche. Pas de soucis, merci. Ouais, explosion Union, celle qu'on est passée. Ouais. Celle qu'on a vue, ouais. Je pense qu'il va gérer le coup. T'as un collègue de la DIR
qui est pas en service qui l'a vu. Ok. Mais il parle bien de celle du parking. Je pense. Il a dit Union. Union, bon. On est passé, il y avait un truc qui cramait bien. Normalement, ça va, tu vois. Yomin, bienvenue, bienvenue. Ouais, je pense. Coucou Tamou. Vous pouvez pas le prendre. Le plateau et tout, si on avait voulu, on aurait pu le prendre. Mais si vous voulez, nous, on aurait pu le prendre. Mais d'un autre côté, on peut laisser les dépanneurs s'en charger. Et eux, ça peut leur faire une petite mission sympa où ils ont peut-être un truc... En fait, on peut faire un double RP avec escort, DDP, etc. Tu vois, il y a un truc sympa à faire. Bah, sinon, oui, comme on aurait pu appeler la police et touche Windows, disparition, tu vois. Moi, j'ai préféré refiler le bébé au DP. Et après, ceux qui verront ce qu'ils veulent faire. Nous, on l'a mis, le plateau, il n'est pas gênant. Il est balisé, etc. Après, si jamais les flics y passent, ils trouvent que c'est gênant, s'ils veulent le faire, ils se descendent, bouffe, pouf, pouf, tu vois. Pouf, pouf, Windows. Sinon, RP Escort ou convoi, carrément, on aurait pu se faire un convoi, etc. Tu vois, c'est all this possible, mesdames et messieurs. Mais je préfère de temps en temps que ça soit les autres qui réfléchissent comme moi. Sinon, bah, c'est pas drôle. C'est toujours moi qui trouve les petites idées. Alors, voyons voir. Ici, ça va. Alors, ici, c'est un miracle que tout soit pas pété. À chaque fois, je suis le premier surpris. Ouais. Comme c'est joli. C'est dingue, c'est hein, comment ça change, hein. Ça a évolué de ouf. Ouais, regarde l'hôpital, la zone que t'as. C'est dingue, on va aller voir. On a l'impression d'avoir agrandi la ville fois mille, ouais. Alors que c'est la même taille, quoi. Carrément, exactement. On va aller voir le concesse, là. Même au niveau des routes, tu vois, c'est vraiment stylé. C'est pas forcément du tout droit et tout, c'est cool. C'est quoi ici, le concesse? C'est tout ce qui est de luxe, un peu Ferrari, Porsche. Oh! Tiens, tiens, tiens. Et regarde comme c'est beau. Bugatti, Maserati et tout. Ah ouais? C'est stylé, hein. Ouais, tiens, justement, je vais aller voir combien elle coûtait, la nouvelle Bugatti. Allez voir. Vas-y, bah viens. De toute façon, s'il y a besoin, ils appellent. Hein. Par contre. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas les clés. Ok, je le dis aussi. All my life! C'est la Bugatti? Combien ça coûte? Ouais. La nouvelle que j'ai vue là, que j'ai pas. Attends, c'est laquelle? Elle est pas là, la décapotable? La Veyron décapotable? Si, c'est la. Veyron 16.4? Elle est pas décapotable, elle, si? Si, en fait, elle a un hardtop que tu peux enlever. Ah! Ok. Bah, c'est bizarre, je l'avais hier, j'ai pas réussi à le faire. T'es sûr que c'est pas celle qui a les longs qui se lèvent, elle? Non, non, c'est elle, hein. La Bugatti où tu peux enlever l'hardtop. Ah, bah alors, il y a une couille dans le pâté, parce que moi j'en ai une autre. Ah, si, si, j'ai regardé c'est hier. Bah, la Veyron Roadster. Ou alors, je pense, je dois en avoir une qui est plus dans le shop, je pense. Qui était retirée. Moi, celle que j'ai, c'est l'aileron qui se lève, je crois. Et je crois qu'elles ont presque toutes les l'aileron qui se lèvent. Peut-être pas chez Bugatti. Et comment tu fais pour virer l'hardtop? Ça doit être écrit dans la notice. Hein. Ok, ouais, non, autant hier j'avais checké, tu vois. Et... Attends, c'est tellement. Pff, t'imagines avoir ça comme voiture? Oh, vous imaginez? T'as ça comme daily, une Bugatti Veyron? Incroyable! On va se faire rêver un petit peu, tiens. On va regarder Ferrari, qu'est-ce qu'on a. Putain, j'avoue qu'une petite Ferrari Enzo, là, ça passerait bien aussi. Voilà, quand tu viens ici, il faut appeler la banque. Hein. Ouais, 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 je regarde les pays. Ah, voilà, c'est celle-là aussi que je voulais vous montrer. La Monza SP2. Alors celle-là, si vous lisez pas le forum, bah, shame on you, parce que c'est pas bien, tu vois, parce qu'on se fait chier à écrire les news. Et celle-là, à mon avis, vous êtes pas nombreux à l'avoir vue. Regardez-moi ça. C'est la Monza SP2. Je connais pas, j'ai rien à vous dire dessus. Je sais même pas quand c'est sorti. Mais j'avoue que c'est quand même. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de sympa dessus. C'est un peu Mercedes bizarre. Mercedes qui fait un peu la même chose sur des voitures. Si, c'est la Mercedes. La Mercedes-Benz, non? La SLR ou. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Mais il y avait eu la même chose sans pare-brise et tout, comme ça. Ouais. Ouais, j'avoue que la Ferrari, il y a un délire. Après, il y a celle-là qui fait un peu tuning, je trouve, mais qui est très jolie également, la 488 Pista. Où là, tu vois, tu prends un petit bleu comme ça dessus.
Ah, t'as la classe là. T'as la classe à Paname là. Mais bon. On n'est pas là pour dépenser de l'argent, mesdames et messieurs. Voilà, voilà, voilà. Elle est pas belle, Doupi, tu trouves? Ah, ok. Ouais, Mobot, il... Non, Mobot, c'est pas celui que j'utilise, c'est l'autre bot qui est utilisé, qui vous répond maintenant. Pour ceux qui viennent jamais sur Twitch, d'ailleurs, YouTube, voilà, en likant cette vidéo, n'hésitez pas à passer. J'ai réglé le bot, du coup, maintenant, par exemple, si vous demandez c'est quoi ce serveur, c'est quoi ça, le bot va vous répondre automatiquement. Comme ça, vous allez pouvoir... Bon, on peut pas le faire sur YouTube, malheureusement, mais sur Twitch, j'ai vu ça, donc je suis en train de paramétrer mon petit bot, donc... Vous étonnez pas s'il vous parle, c'est normal en fait. Voilà, c'est un peu comme les, comme le chat chez Orange, SFR, etc. Tu vois, où t'as un robot qui te parle, bah là c'est pareil. Là. Bon, c'est bien. Bah écoute, j'ai vu la petite Féfé là. Ça va peut-être sortir la chasse, non? Ouais, peut-être. Faut que je réfléchisse encore, tu vois, parce que c'est vrai que. Ouais, je vais devoir revendre des enfants. Je vais devoir expliquer aux enfants qu'on va plus manger pendant 2 ans, tu vois. Après, ils pourront rouler dans une ferraille. C'est vrai, ouais, bah, c'est ce que je vais essayer de leur faire comprendre que voilà, on a rien sans rien, tu vois. Et là, petite féfé. En plus, c'est une deux places, c'est parfait comme j'ai 2 gamins, tu vois. Ça va être parfait. Ouais, le compte est bon. Ouais, carrément. On a dans le coffre et puis un devant, quoi. Ou mange-les, c'est vrai? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas si je vais manger mes enfants. Bon, regardez comme c'est beau. J'imagine que toutes les maisons sont déjà vendues, là, non? Ouais, je pense. Hein. Je pense aussi. Ah oui, regarde, ils y sont. Ah, bah, c'est normal qu'il y ait des airs s'il y a les flics. C'est pour ça que je te disais qu'ils veulent... Bonjour! Bonjour, monsieur l'agent! Monsieur l'agent ? Monsieur. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous, on a été appelé pour des herses sur la route. Je vois que vous êtes là, j'imagine que c'est normal. Ah bah oui, c'est normal, il y a un barrage. D'accord, non parce qu'en fait on nous a dit il y a des herses et il n'y a pas la police. Et on vous voit là, donc on savait pas trop... Si, il y a mes collègues qui sont là-bas. Donc... Ok, non bah du coup très bien, ça marche. On nous avait appelé justement pour des herses sur la route. Ok, pas de soucis, bah, ça marche. Okay, bah ils sont trompés. Hein. Pas de soucis, bon courage monsieur. D'accord, merci, bon courage monsieur. Bon bah tu peux appeler la dire qui t'a appelé et lui dire que s'il y a des flics à côté c'est normal hein. Ah putain. Ouais, tiens, c'est pour ça que je voulais pas faire un appel. Ah ouais, en fait on a reçu un appel pour nous dire il y a des airs sur la route. Donc nous, comme la route c'est un peu notre métier tu vois, on se dit on y va. Mais ouais mais c'est normal. Encore des gars qui comprennent pas le truc d'un... Avancer jusque la barrière route. Et je te jure je m'arrête pas. Halte police, pardon. T'imagines. Le mec. Je m'arrête pas. Vas-y, sors ton arme. Vas-y. Sors ton arme, là, tu... Pi. Comme ça, là. Tu ouvres la fenêtre. Tu sors le calibre et tout. Alors, pour info, c'est possible sur Arma, mais j'ai dit non. Qu'on puisse tirer des voitures. Il y a un délire. Je suis d'accord qu'il y a un délire. J'ai vu des vidéos, j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Il y a un délire. En gros, tu peux être en passager et tirer. Il y a un délire de ouf. Mais, si vous avez déjà joué un petit peu à GTA, vous savez comment ça va finir. Parce que sur GTA, on peut faire ça. Ça finit mal. Oui, bien sûr. Voilà, vous savez très bien comment ça va finir. Ça va être le bordel si on fait ça. Ça va être Bagdad. Mais j'avoue que ça peut être stylé, tu vois. T'es... Laissez le zbeul après. On va commencer par vous. Très bien. Alors, tenez. Vous voulez ma pièce d'identité perso ou ma carte professionnelle? Les deux, on peut commencer par la pièce d'identité. Tenez. Parfait. Je suis peut-être recherché. C'est bon pour toi ici? Il y a juste le deuxième à contrôler. Ah non? Alors monsieur, Paul, vous êtes recherché pour un cabinet de... C'est mort, j'ai pas été recherché. Diffusé sur chaîne d'information officielle. Ah. C'est un canular ou... Ouais, c'est ça.
Non mais c'est une blague que vous me faites ou c'est vrai? Ah non, c'est vrai. Ah écoutez, canular, c'est vrai qu'il m'arrive d'être faire de l'humour, mais c'est perçu comme un canular, écoutez. Ok, pour vous c'est bon, je vais se retourner. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Non, c'est peut-être une... Peut-être une blague qui est mal passée et... Non, je sais pas. Vous avez de la place dans votre sac. Ça date depuis un mois. Ah bah écoutez, on fait de la place où on peut, mais c'est vrai que c'est pas, d'accord. D'accord, ça marche. Ok, c'est tout, bonjour, merci. Merci. Pour monsieur Legrand, ça sera bon le truc. Parfait. C'est pour mettre toi sur le véhicule. Oui. C'est juste un contrôle. Allez-y. Ouais, je suis recherché, mais c'est... C'est normal, parce que je suis connu, c'est pour ça que je suis recherché. Parfait, parce que... Voilà. Votre véhicule est parti, voilà. Bon, très bien. Bonne journée, merci, au revoir. On part par où? Ah, ok. Non, c'est bon. Parfait. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est stylé, hein? Ouais. Ça faisait longtemps que j'en ai pas vu, pour le coup. Ça rend bien, hein? Ouais. Ça revient, ça revient. Et peut-être qu'on va pouvoir monter sur Lakeside alors, parce que Lakeside, à chaque fois que je veux y aller, il y a tout qui est bloqué. Tu sais, à chaque fois, il y a le pont. D'ailleurs, ça me donne des idées pour de futurs modifs, etc. Mais c'est vrai que à chaque fois que tu veux aller à Lakeside, le gars qui habite sur Lakeside. Ouais, non, mais là, il est. Et lui, il peut jamais aller chez lui. Jamais, 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 jamais. Le pont, il est toujours, toujours fermé. Et là, c'est un miracle. Ouais, Paradis, c'est encore pire. C'est pour ça que je me suis barré de Paradis. Parce que tu peux quasiment jamais aller chez toi. Ah ouais, non, c'est fou. Les îles, souvent... C'est... compliqué, compliqué. Je sais pas s'il m'a bloqué ma fiche. Il m'a dit que ça faisait plus d'un mois que j'étais recherché, comme c'était pour canular. Et je lui ai dit, ouais, moi, je fais de l'humour, je sais pas trop. C'était pas non plus... Genre, c'est, à mon avis, si j'étais recherché pour double meurtre... Ouais, je pense que tu serais reparti tranquillement et moi j'aurais été avec eux. Mais là, comme c'était pour canular et que ça fait un mois, tu sais, il a dû se dire ça fait un mois, canular. Bon, let's go, tu vois. Donc, peut-être qu'il m'a laissé ma fiche, je sais pas, parce qu'il m'a pas dit qu'il me l'avait viré. Mais en tout cas, il en a pas pris en compte pour le contrôle. Mais peut-être que je vais me la prendre dans les dents si je fais un excès de vitesse, tu vois. Une sorte de sursis, vous voyez ce que je veux dire? En mode, s'il me contrôle et que j'ai rien fait, il apprend pas. Ouais, s'il me contrôle et que j'ai fait quelque chose, je sais que j'ai une fiche, quoi. Je le sais en RP, bah là, parce qu'il me l'a dit. Ouais, et donc du coup, peut-être qu'il me l'a fait en sursis. C'est-à-dire qu'en fait, tu contrôles un mec sur un contrôle de routine. Le motif, c'est juste un simple contrôle. Donc tu lui dis, monsieur, vous avez une fiche, vous ferez attention. Et par contre, si tu contrôles le mec en excès de vitesse, bah là, il récupère tout, tu vois. Ou peut-être qu'il me l'a viré. Je m'en fous, de toute façon, je m'arrête pas la prochaine fois. Jamais ils m'auront. Jamais. Ils m'auront jamais vivant, mesdames et messieurs. Coucou Alpha, bienvenue. Tamou qui était caché. Alors Tamou, et je crois qu'ils ont tous voté contre toi, Tamou. Dur, dur. Dur, dur. Coucou Zertose, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ok, nice. Bon, Lakeside, ça va, c'est cool. Ah. Ah, il vient juste de s'activer celui-là. Ouais. Ah, ils le mettent une heure et demie avant? Bah, je sais pas. Parfois, en fait, ils font un peu la météo, tu vois. Ah, ouais, mais une heure et demie? Non, mais je veux dire, par rapport au sud, ils disent parfois qu'il y a du vent sur le sud. Ah, d'accord, d'accord. Ok, très bien. Non, mais ok, pourquoi pas. C'est vrai que c'est. Il y a quelque chose. Non, mais c'est vrai que. Moi, ils mettent que sur les ponts, comme tu sais, c'est des zones assez découvertes, ça dépend. Non mais ouais, carrément, c'est pas une mauvaise idée. Ils font leur confiture. D'accord, d'accord. Miss Météo en dire, mesdames et messieurs. On va aller sur l'autoroute, tiens, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je note. Prochaine fois, tu lances des plots et tu cours, et prochaine fois, je les écrase. Je leur fonce dedans. Alors, autoroute à... Allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pour dire... Dire à l'écoute. J'ai oublié qu'on faisait ça, non. C'est vous qui vous êtes plaint du balisage au niveau de la route barrée, c'est ça? De... À quel endroit vous êtes qui? À Union, sur la chicane. Et vous êtes? Un ambulancier.
Non, ça me dit rien du tout. A voir avec les autres effectifs, mais non, ça me dit rien. Okay. D'accord, ok, non, c'est juste pour vous informer qu'un de vos effectifs, c'était un peu plein, que j'étais passé entre la chicane junior avec une route barrée, mais il avait mis ses deux panneaux à 3 mètres l'un de l'autre, et il avait pas fait un balisage complet. Du coup, je tenais à le préciser, vu qu'il se permet de nous engueuler sur ça. Ah bah, la prochaine fois, voyez ça directement avec lui. Ok, ça marche. Merci, bonne journée, au revoir. Quelle journée à faire. Il y aurait un gars de la dire, qu'aurait dit un ambulancier, de faire attention, et du coup c'est moi qui l'appelle pour me dire qu'il est pas content qu'un dire lui ait dit quelque chose. Je lui dis bah vois ça avec lui, je sais. Dire à l'écoute. Non mais dis. Allô, allô. Dire à l'écoute. La dire vous écoute. Putain, ils ont tous du miel dans les oreilles, c'est pas possible. Dire à l'écoute. Attends, tu m'entends quand je parle? Ah, excusez-moi. Oui, c'est pour vous dire... La dire vous écoute. Niveau union de... Oui, je vous écoute, je vous entends. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Je vous écoute. Je vous écoute. Union... Ouais, à union devant la station de service, il y a un mur qui est... La dire vous écoute. Il a 15 secondes de délai dans sa tête, le pauvre. Tu sais, on dirait que j'écoute un live, ou j'écoute un live, ou j'écoute un live, ou j'écoute un live, tu sais. Salut, ça va? Salut, ça va? Oui, et toi? Salut, ça va? Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, et toi? Salut, moi, ça va bien? Salut, ça? Tu sais, on dirait ça. Mais du coup, vous voyez, il n'y a plus de problème. Vas-y, bah, envoie une dire sur Union, il y aura un mur qui serait cassé. Mais... À mon avis, le gars qui a appelé, c'est le gars qui a cassé le mur. Ouais, donc, road DP, j'avais des premiers cerveaux. Donc si vous pouvez passer niveau sur Union devant la station de service, il y a un mur qui est tombé et qui gêne un peu la route, donc c'est possible de le réparer. Hein. La dire à l'écoute, c'est reçu. À Union, il y a un mur qui est tombé, station essence. Ouais, j'ai envoyé Thierry. Vas-y. La dire à l'écoute. Il va faire des cauchemars de ça, ce sorti, il va se réveiller. La dire à... Hein, non, pas la dire. 100% c'est lui qui a pété mon muret. Bon YouTube, 100% c'est la fin de la vidéo. A demain, pouce bleu, abonnance, venez mater les lives sur Twitch. N'hésitez pas à partager les vidéos. Bisous Romain, venez en dire. Et arrêtez de foncer dans mes murs. Voilà, bisous. La question elle est vite répondue. Pouce bleu. Et merci Bob, last sub. Tchou. Y'a la police. Ouf, gang de motards. Allez, on les regarde passer, on s'en va. Waouh. Alors par contre, je vais t'écraser, t'aurais jamais dû faire ça.